Well, eh bien écoutez, c'est parti pour découvrir Tengami. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais la DA a l'air cool. Oh. Ok. Genre libre en 3D. Dreams, ça veut dire les rêves. Oh, j'allais dire, je peux vous traduire, je suis bilingue, hein, ça y est. Ah, il y avait le perso qui était là. Oh, c'est trop mignon. Padding. Oh, bon, ça, j'aurais pas pu. C'est stomp. Ok, le cerisier des fleuris. Oh là. Oh, j'avais lu con. Un koa. Disparu. Très bien. Il va pas bien, le monsieur, là. La dernière petite fleur de cerisier. Voilà, bien tenue, ça l'a tenue jusqu'en hiver. Le jeu qui t'insulte. Ouais, c'est ça. Honteux. Just honteux. Ah, c'est sympa, ouais. Ça fait vraiment effet livre. C'est livre 3D, je crois que ça s'appelle. Cliquez hein. Pour commencer. Oh là. Ah oui, il est tout plat quand on voit le face. Oh, c'est bizarre. Let's go. That's very strange. Cliquez pour marcher. Très bien. Et donc on a une petite fleur là. Ok. Donc ça c'est le menu. Un lu. Il va venir nous bouffer le mulet, pas du tout. Ok. Ouais, il aime pas qu'on le tripote. On va arrêter d'y toucher. Ah, il y en a un autre là. Faire glisser pour lire. D'accord. Ça a juste fait de la musique. Ça a endormi le loup. Ok. Donc on fait un pont, c'est trop stylé. Mais il est tout plat. Ça me trigger par contre. Arrête de nous regarder de face de profil. C'est bizarre. Il y a un autre loup. Ah, ça se lève. Don't eat my mulet. On peut pas aller là nous. Ah, va falloir qu'on monte. Ah! Alors. Non, on va garder ça. Mais est-ce qu'il y a un truc plus loin pour le faire bouger? J'ai peur qu'il mange. Ah, il a avancé. Ah, ah, ah. Je t'ai eu, turlututu, chapeau pointu. Mais arrêtez, monsieur. Ok, il est chiant. Bon, vas-y, suis-moi jusqu'au bout du monde, là. Avec un peu de chance, c'est sa femeu qui a au bout. Comme ça, il va rester là-bas. Allez, viens. Et la gorge double... Oh là! Ok, ça carillonne fort. C'est pas le bon. Alors, est-ce que c'est par taille de loup? Je suis un génie. Allez, ça rompiche. Et voilà! Perfecto. Ok, bon, on est dans le tuto, hein.
Ah! Il va être tout plat de face profil. Au secours. Elle est jolie juste cette image là. Wow. Ok. On est au bout du livre. Qu'est-ce que tu fais, petit chat pourri? Oh là là. Ok. Chat fou. Chaise. Ok, donc là il nous manque un bout de fragment pour pouvoir ouvrir le temple. Ah, je peux pas aller en bas? D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on va-t-il avoir? Puis, très bien. Je vais dans le puits ? Je suis tout plat ! C'est terrible. Pourquoi je peux rien faire ici ? Ah ! Ah oui, d'accord. Ok. J'ai trouvé le fragment de porte. Ah oui, il faut que je fasse gaffe aux petits effets qu'il y a aussi sur le côté de la map pour tourner la page du coup. Enfin, pour tourner la page, où je suppose, comme pour simuler comme quand on tire les petits trucs là. Pour faire défiler le paysage dans ces bouquins là. C'est bien foutu en tout cas. T'as mangé? T'as bu? Tu as la peau du ventre bien tendue? T'es trempé. Ah oui. Oh, j'ai encore du mal avec... avec la mécanique du fait de glisser. Qu'est-ce qu'il y a par là? La mécanique... C'est à toi. Bah y'a rien. Je suis en train de partir à l'autre bout du monde. C'est pas grave, le jeu est joli, on visite. J'ai perdu l'intégralité du chat, mais tout va bien. Jean-Michel Flûte de Pan, il est en train de tout donner là. Ok. Oh. D'accord. Je vais te réécrire des conneries. Bon. C'est bien mal le connaître, monsieur. Ah, je peux pas avoir un autre point de vue. Attends. Là, je suis sur le côté.
Je vais là peut-être. Bah non, je viens de là. Zini, pas possible. Ah oui, non, non. Mais je vois pas de trou en bas. Là peut-être. Non, ça me fait monter obligatoirement. Bah mince alors. Comment est-ce qu'on accède à cette puerta? Ah ou attends, est-ce que si je reste en bas et que je tourne la page? Est-ce que d'en bas je peux aussi tourner la page ou pas? Peut-être plus par là. Ah non? C'est con ça par contre. Merdouille. Parce que je vois les deux lights d'en bas. J'ai ouvert la porte, je devrais pouvoir entrer. Trigger cette fleur de cerisier, j'aimerais te pécho. Oh merde, je suis sortie du jeu. Pardon. Elle est là. Est-ce que les lumières étaient allumées tout à l'heure? Je suis pas sûre. Ah, ok. Il y a un passage secret. Tu t'étais obligé qu'il y avait quelque chose. Oh là. Ok. Chez les lights. Bon, en même temps, ça paraissait évident, la map était un petit peu plus grande que ce qu'on voyait. J'y bait. Ok. Bon, le mec fait un peu statique, mais en vrai, les décors sont incroyables. Hein. Ah! Ah, c'est ces deux-là de lanterne qu'on voyait, d'accord. Ah, je pensais que c'était celle qu'il y avait en bas des escaliers devant la maison. Ok, on est dessous, en fait. Ça se tient. Nous voilà là. Oh, est-ce qu'on va-t-il pas pouvoir choper la petite fleur? Let's go. Des loups assoupis sous un pâle clair de lune. Rêve se déploie. Très bien. Ah, ok. On a commencé à reconstituer... Okay. Moi j'ai du mal avec ça. Je trouve ça barré leur poème. C'est pas moche, mais je trouve ça barré. C'est trop imagé pour la petite blonde que je suis. Ouais, il y en a qui sont tirés par les cheveux. Bah, il y avait un film d'animation sur Netflix qui doit toujours y être. Je sais plus ce que c'est le nom et... Le héros de l'histoire, il adore ça. Ah, attends. Non, c'est juste pour lui relever. Okay. Il adore ça, il écrit plein de poèmes comme ça.
Ça fait très bizarre. Ah, c'est comme ça que j'ai connu ça d'ailleurs, par le biais de ce film, me semble-t-il, s'il me semble. Ah bah oui, attends. Hop. On va aller là. Ah, je peux pas monter. Ah ! Ok, alors attends. Manque de hauteur. Ah, c'est pas mal comme ça. Ah oui, je peux pas monter. Merdouille. Atzi, il était où mon truc pas mal là? Je te... Bah non mais c'est ça. Attends, comment j'étais montée tout à l'heure? Elle se noie dans un verre d'eau. Voilà. Je viens dès là. Ah, je suis plus à la bonne hauteur. Ma vie est nulle. Bah oui, puis là, je peux pas y aller. Ah, ça m'intéresse plus, ça, déjà. Ce sera peut-être assez haut. C'est assez haut. Non. Parfait. Alors, le petit pont. Ouais, je vais pas pouvoir y aller comme ça non plus. Ah ! Ok. Ok. C'est rigolo. Et coucou le grand malade ! Et coucou Maro, merci beaucoup pour le raid. Et coucou vous vous-même. Comment que ça va-t-il bien? Alors attends, tu étais sur Persona 5, bien entendu. T'en es rendu où? Le jeu est toujours incroyable. Tu t'amuses toujours bien. Et les zen? Est-ce toi la patte 7? Comment que ça va? Conseil les zen. T'as fini le palais de Futaba? Attends, mais t'avances vachement vite aussi, toi. D'accord. Oh bah t'as bien raison. Marmotte is a life. Hein. Écoutez, nous on est sur un petit jeu point and click en mode livre 3D. Je sais pas si vous avez connu ça. Alors. En même temps, énigme bien entendu, parce que sinon c'est pas rigolo drôle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? C'est pas les cloches. Oh, je comprends pas ce que j'ai à faire là par contre.
que je peux partir vers l'infini et au-delà. Demain, je t'avoue, Dark, jour férié, ça va être une des premières fois où je vais pas bosser un jour férié. Et vous avez plaisir. Et coucou, Crocro! Comment que ça va? Mais non, mais reviens! Michel, où vas-tu? Là. Héros le goinfre. Est-ce que c'est un problème de saison, peut-être? Le châtel a changé maintenant qu'il neige. Mieux que l'autre jour? Ah, bah tant mieux. Je suis contente si ça va mieux. Alors qu'est-ce qu'on va avoir de neuf maintenant? Ah! Oh là! Ok. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une porte et ouvert une fenêtre. Chicken carné de la momon. J'ai jamais mangé de chili con carné. Voilà. Savez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, probablement, mais ok, j'ai trouvé un morceau de cadran. Pas avec les haricots rouges? Bah, c'est avec les haricots rouges, le chili. Avec quoi tu fais ça si tu fais pas ça avec des haricots rouges? Ah, d'accord. Très bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Didadidadou. Bah sinon, bienvenue sur ce jeu tout plein de poésie. Plus poète que le chat, hein. Yes. Et bah, bonne planque à toi, Yuni. Repose-toi bien. Des bisous. Ah non, c'est Bah, j'ai fait un planning en plus, hein. Attends, pourquoi j'ai pas tourné la page? Non, non, c'est jeudi, vendredi, samedi. Enfin, jeudi, vendredi, probablement, on aura fini après. Pour une fois, il y a un planning. Eh, et pour une fois, tu l'as vu. Ah bah oui, on va le finir cette semaine. This is l'objectif. Mais non, non, ce que j'ai dit le lundi, petit jeu. Ah mais j'ai pas tripoté ce truc là quand il y avait de la neige. Ah. Oh, ça fait 5 mois que c'est au planning quoi, ça va, soyez pas mauvaise langue. Ok, mais du coup ça m'avance à quoi ça en fait? Je ne sais pas. Ah merdouille, j'ai pas fait ce truc là pendant qu'il neigeait. Je retourne de tanter la cloche. Et non, c'est moi qui l'ai fait toute seule le planning à... Attends, reviens. Il y en avait un de chaque côté. Ok, il neige.
Et de l'autre côté... Ah... Ok... Je n'avais pas vu... Petit printemps... Je peux peut-être pas voir le haut en vrai avec, avec l'autre. J'ai peut-être un truc à récupérer par contre à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'offusques? Pourquoi tu t'insurges? Ah! D'accord. Ah bah yes. Ok, et cloche. Et comment ça, ils sont les applaudissements? Oh bah non, mais j'avais mis tous ces trucs là pour Halloween. J'avoue que ça m'a saoulé, j'ai tout viré. C'est par la roue en fait, Dark. J'ai ajouté dans la roue des gifts. C'est le ronron, merci Maro. J'ai ajouté dans la roue des gifts Dark. Dedans il y a vous décidez d'un jeu de moins de 5 heures, un jeu moins de 10 heures, un jeu de moins de 20 heures, un jeu de moins de 30 heures. Et du coup bah Calicante a eu la générosité d'offrir 3 subgifts pardon la dernière fois quand on en parlait. Et il est tombé sur le jeu de moins de 5 heures et du coup bah il m'a demandé de faire ce jeu là. Voilà. Je l'avais déjà vu passer. Mais je l'avais jamais fait. Du coup. Il a fait coucou, il s'est barré, c'est ça. Aussi Polix Vetlia quoi. C'est trop bien, les ronrons font de plaisir à... Ok, donc on a déverrouillé des cloches. Il y a des cloches de chaque côté, là. Allez, la sympathie, hein. Oh, vous êtes l'éternel incompris. Sa cacara est même pas là pour le défendre, en plus. Allez, ça parle mal. Ça parle mal. Alors, du coup, les cloches... Normalement, on devrait avoir un truc à faire sur ce tableau-là. Voilà, là il y a un truc avec des cloches. Et là je vois des cloches. Ah, ok. Ah d'accord. Bah, est-ce que ça va être par là du coup? Il n'y a que dans ce tableau là où j'ai rien eu par là. Et fouine, ça tue les poules et ça suce le sang. Alors je savais que ça tuait mais pas que ça suçait.
peu chelou cette conversation, encore une fois. Souvent, des stylecteurs de conversations bizarres, quand même, Zvette. Ah, peut-être que ça me permet de open the door encore. C'est ça. Ok, cette fois, je vais pouvoir ouvrir la porte-fleur. D'accord, je la récupère direct. Très bien. Cascade d'argent dévalant en contrebas feuilles cramoisies. Ok, donc la deuxième. Ouf. Très joli ce cerisier dans la neige. Et vous êtes dégueulasse, monsieur. On fait un jeu plein de poésie et vous salissez tout. C'est honte. C'est honte. Vas-y, va te noyer dans ton yaourt. Là. Oula. Ok. Bizarre. Ah, du yaourt au lait de brebis. J'aime pas ça, ces trucs-là. Tant que c'est pas à l'anis. Je dois être trop fatiguée pour vos blagues douteuses, monsieur. Ah bah, ça y est, je suis passée. Très bien. C'est Salakis ? Au bon lait de brebis ? J'ai foutu ma mère devant Damer. Ah, envoie un message genre « C'est bon, j'arrête pour ce soir, le mec il a vraiment un problème. » Ouais bah c'est un tueur en série, c'est le principe. Ah, oh quoi la pauvre. Elle est trop bien cette série. Trop intéressante. Ah, on va connaître cette énigme à... Alors. J'ai même pas envie de regarder, sachant que c'est un tueur qui a existé. Ah, justement, je trouve que ça rend ça très intéressant. Ah. J'ai du mal avec le fait qu'on le mette lui en lumière vis-à-vis des familles des victimes. Ah, c'est pas vraiment le mettre en lumière. Enfin, c'est expliquer ce qui s'est passé. Après, ce que je trouve extrêmement malaisant personnellement, c'est... Bah oui, c'est une série qui porte son nom, mais enfin, tu voulais qu'il l'appelle comment? Ça parle de lui? Ouais, non, non, mais j'entends, Dark, je peux comprendre. Après, tu vois, enfin, pour moi, c'est comme dire que on peut pas parler d'Hitler parce que il a vraiment existé et qu'il a fait des trucs dégueulasses. Je trouve que c'est de la prévention aussi, tu vois. Surtout que, pour le coup, il l'idolâtre pas du tout dans la série. Hein.
C'est limite, t'as peur de tes voisins après. Bah... Ça dépend, non, donc, enfin, ça dépend le contexte après. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, non, mais attends, d'accord. C'est parce que c'est retourné et tout. Hein. Ok. J'ai un bateau. Oh, mon bateau. Oups. Pardon. Oh, mon bateau. Oh, tu es le plus beau des bateaux. Faut avancer, par contre, monsieur. Oui. Non, là, tu n'avances pas. Comment je fais? Ah, d'accord. Faut cliquer sur l'eau. Je suis con. La plupart des films... pas du moustachu. Ouais, je sais pas trop. Enfin, je sais pas, dans tous les sujets comme ça, je trouve que ça peut être intéressant d'en parler. Encore une fois, moi, ce qui me gêne avec, avec la série Dahmer, c'est juste que ça a engendré, en plus à l'approche d'Halloween, pas mal de gens qui idolâtrent entre guillemets un petit peu le gars, tu vois, enfin de là aller se déguiser, se cosplayer en Dahmer pour Noël, pour Halloween, ça je trouve ça malsain par contre, parce qu'effectivement le mec a existé, je trouve ça tendu le cul. Voilà, ça par contre, je suis tout à fait d'accord que je trouve ça très malsain de faire ça. Et je comprends pas les gens qui le font. T'as des gens, ils ont cosplayé leurs enfants, genre mes petits en mini Dahmer, quoi. L'air Dahmer, tu fais un malheur à quel point t'es Bruce? Comment que ça va? Mais après, dans le même genre, tu vois, il y avait le serpent. Et sur une histoire vraie aussi, bon, dans un tout autre délire, mais... Et avec poète, salut les wowoteurs, salut les wowoteuses. Comment que ça va-t-il bien? Est-ce que vous vous êtes bien amusés? Chava, t'es sur toujours sur Vanilla? Et coucou Yogaz, bienvenue à toi. Coucou Aranor, bienvenue à vous. Écoutez, nous ne sommes pas du tout sur WoW, nous sommes en train de découvrir un petit jeu. Ah, c'est pas Master, c'est quelqu'un d'autre. La vérité est ailleurs. On est sur un petit jeu. De type indépendant. Et en gros, c'est un point and click avec des énigmes dans un mood où on a le en mode, pardon, papier 3D. Je suis en train de penser à autre chose en même temps. Enfin, je suis en train de penser à l'énigme en même temps. En mode papier 3D, n'importe quoi. Livre 3D. Voilà. Donc c'est très joli. C'est très joli. Ouais, grave, Master, je l'ai viré, c'était un noob. Mais le mec, vraiment... Why j'acceptais d'avoir un modo comme ça, en fait. C'est... Ouh. Puis il est resté quelques années, en plus, en modération. Hein. Je comprends pas. I don't understand. Est-ce que je peux aller là-bas avec mon bateau? Je peux aller là-bas avec mon bateau. Et coucou Amon, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Ah ouais, il s'accrochait le gars. Hein. Terrible, hein, vraiment. Enfin, au bout d'un moment, bon. Trop gentil en fait. Trop gentil, j'osais pas dire. Voilà. Écoute, ça va nickel, je te remercie. Je flexe un peu aujourd'hui. J'avoue que pour la première fois de ma vie, je vais faire un taf où je vais pas poser un jour férié et... Du coup, je suis dans le contentement le plus total. Oh, ok. Ok. Ah, j'avais pas compris. Oh, d'accord, faut tout allumer ça. Très bien.
Et il sentait... Quoi? Pardon? Excusez-moi. L'info de trop? Qu'est-ce que... Il est où le dernier? Hop là. Hop là. Ah oui, d'accord. Bon, normalement, les deux sont allumés. Hein. Merdouille. J'ai quitté le jeu encore. Et coucou, Galuf! Comment que ça va-t-il bien? Ah, ça sent le vécu, c'est le moins qu'on puisse dire, là, je pense, Dark. Tu as choisi le mot juste. Visiblement, c'est un problème d'odeur. Effet que t'y veux, main. Au secours. Et du coup, pardon, excuse-moi, Vara, tu disais que tu étais sur retail maintenant, c'est ça? Je pensais que tu faisais du vanilla, autant pour moi. Et je me tâte... Je me tâte à reprendre à l'ère des dragons, là. Hein. Elle me hype trop, cette extension, mais... Non, je me dis que j'ai des trucs à faire, en fait. Et genre, pas ça. Quoi de beau pour ce soir d'Halloween? Eh ben écoute, petit jeu pointé-cliqué. En mode livre 3D, pas du tout horrifique, un peu réflexion, blabla. Et après, je vais me faire à manger, on se mate des petits... Je reprends WoW l'extension. Ah, cool! T'as déjà l'extension et t'es rabot. Ah, j'ai pas acheté encore. Mais ouais, je pense que... Je pense que ça craint, hein. Je vais me faire U. Bon, cette pièce, par contre, je ne l'ai pas vue. Ah, il va falloir que je reprenne mon bateau. Ok, oh, il est beau, mon bateau. Mais non, mais... Arrête, Svet. Dis pas des trucs comme ça. Ne disais pas des choses comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau pour ce soir Halloween? Est-ce qu'il y a des gens qui se font un petit ciné? Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'il y a des gens qui se font une petite soirée ou petite soirée film d'horreur à la maison avec petit pop-corn ou... En mode Cindy, quel est ton film d'horreur préféré? De me faire à manger et bosser pour le stream. C'est bien aussi. Une soirée devant Chaos. Bon, je pense que niveau horreur, on est bien là. On est... Ah oui, non, Galuf, certainement pas un film d'horreur. Oui, c'est... je me souviens de ce que tu disais la dernière fois. Effectivement. T'es aussi friand que moi de ce genre de choses. Ouais, non, mais c'est ça, j'ai totalement compris. Le soirée horreur devant Chaos. Super. Rien de spécial. Le méchant. Ils sont trop méchants. Ah, j'étais pas allé jusqu'au bout. Hein. La map s'arrête pas en fait. Oula. Ok. Je me suis enfin décidé pour mes émotes T2, T3. Ah, trop cool. Qu'est-ce que t'as prévu du coup? C'est toi qui l'es fait ou tu fais appel à quelqu'un? Rien de spécial. Soirée Space Jam pour Cindy. Make the Tower. C'est pas encore horreur. On n'est pas sur la scène blabla. Et tu la veux cette scène-là, là? Tu la veux ma scène de près? Ça va, oui? On est mort. Et bah, coupe. Au secours. Mais comment ils sont méchants? Comment ils sont trop méchants? J'en ai marre. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas eu peur. J'ai tout donné sur le screamer. Hein. Attends, on va faire ça en prompts. Ça y est, j'ai mon trou rire de dinde.
au boulot. Terrible. Ok. Alors j'en ai un, par contre le deuxième... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il me semble qu'il y avait des trucs sur le Batal. Je vais aller regarder. J'ai un chat qui regarde bizarre mais haut-parleur avec le canard. Plaît-il? Alors il y a un signe là. Oh, à tous les coups, il y a des signes qui sont tout cachés. Il m'en faudrait au moins 3. Un crayon, vite. Ah, le son Donald! Yes! Ah oui, je comprenais pas. Je veux dire, attends, avec le canard, tu as des écouteurs canard? C'est très mignon. Ça peut être très mignon, du coup. Et coucou, biote de slip! Comment que ça va-t-il bien? Elle sait d'où vient le son. Elle regarde d'ailleurs ton stream. Oh bien... Bonjour! Bonjour, petit chat! Oh, GG, Amon! Vous jouez quoi comme classe d'ailleurs? Alors, tac, 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 on a ça comme signe. Est-ce qu'on a un truc plus loin? Peut-être? Ou est-ce que tout est sur le Batal? On n'a pas vu d'autres sur le bateau, cela dit. Monk vulpérin, une des deux meilleures races. J'aime beaucoup trop les vulpérins, c'est tout pipou. C'est la première race alliée que j'avais débloquée. Non, y a rien de ce côté-là, ok. Shaman Poa. Je pense que si je reprends, je ferai un Drood. Un petit Drood tank. Donc là, ici, on a un truc qui fait tac. Tac, tac. Tac. Je ne vois pas d'autres signes. Ouais, je sais, c'est toujours pas Ali. Mais je pense que, si j'ai bien compris, enfin, j'ai pas suivi toute l'actu, mais apparemment, maintenant, on va pouvoir... Ah, il est là. Jouer Ali et Horde ensemble. Shaman, vous dites? Donc, il fait comment, lui? Tac. Tac. Ok. On va retenter. Il m'en manque un, hein, mais... Ah, c'est déjà le cas? Trop bien! Ah, je pensais que ça allait venir, mais que c'était pas encore le cas. Alors. Le seul truc, c'est que je sais pas trop... On va essayer comme ça. On va essayer de décaler. C'est que... Oh bah. Oh là là. Ah. Je suis beaucoup trop balèze. Hein. En raid des donjons seulement. Ok. Bah c'est vachement cool déjà. Ah le talent. Hein. Le talent. J'ai le neurone qui chauffe là. Et coucou Egon. Comment que ça va? Ah ouais, par contre, j'ai lu Rogue Auroch, mais ça c'est punissable de peine de mort par contre. Alors déjà c'est punissable de peine de mort de la part de Blibli d'avoir osé faire un gros fufu comme ça. Mais faut pas faire ça. Au secours. Le neurone rencontre un clone. Secours. J'ai dit ça tout haut. Oui, oui, oui. Je te juge très fort, Amon. Je vous juge très fort. Je me souviens qu'il y a une époque quand il commençait à ouvrir les mix classe race. J'avais toujours, enfin, j'avais dit à l'époque, dans le jour où ils font Fufu Tauren, mais j'arrête de jouer, ce jeu n'aura plus aucun sens. Bah oui, ça va nickel. Ah oui, oui, ils m'ont trouvé des trucs à faire. Bah je bosse, quoi. Je bosse.
Déca pandin. Ouais, ça me choque moins. En vrai, ça me choque moins le déca panda. Ça peut être un panda mort, hein. Enfin, tout peut être mort en vrai. Par contre, un gros bœuf fufu, bah moi ça me perturbe. I am perturbed. Oui, je bosse dur à mon nouveau taf. Enfin, je bosse dur. Je bosse 3 jours par semaine, quoi. Mais ouais, j'ai du boulot. J'appelle des gens qui vont pas bien. Au départ, ils voulaient même pas en entendre parler des décapendants. Ah ouais? Quoi? On sait être discrets, nous, les taurennes. On voulait juste la cloche à la maison. Et... Ah non, mais c'est... aberrant. Enfin, c'est pareil. Je sais pas si on peut faire panda fufu, mais... ça aberrant aussi. Hein. Des bisous crocro, merci beaucoup d'être passé. Passe une très bonne soirée, un joyeux Halloween. Alors on va aller se mettre en face pour l'avoir bien. Ren est discret dans la même phrase, j'ai failli m'étouffer. Ouais, c'est... Ah, c'est par là qu'on allume le feu, hein. Très bien. Il n'y a que le rogue qui a le skill fufu. Comment ça? Ah oui, non, pardon, j'avais pas compris. Oui, il y a le... Il y a le druide chat aussi. Ah non, attends, fallait peut-être que je retourne la roue. Pour que ça allume le phare. Il n'y a pas eu le petit tulululu. Peut-être qu'il faut que je le remette dedans. Attendez. Je vais try avant de reprendre le batal. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. Bon, apparemment non, hein. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime trop TTC. J'aime bien travailler. Est-ce que t'aimes bien travailler? J'aime énormément l'argent, mais... Attends, c'est pour ça qu'il faut travailler. Travailler, travailler... Bon, l'autre que je connais, je vous la chanterai pas, je vais me faire Twitch ban. Mais je trouve ça rigolo, TTC. Je m'éclate sur TTC, mais ça passe pour des trucs de beauf. Ah, ce n'est plus la même génération, on va dire. Hein? Ouais, voilà, le petit girlfriend, non. On va pas partir là-dessus. Ça ne passera pas. Le jour où je vous ferai mes adieux, on se passera un petit girlfriend. Là, c'est non. Zénon, zénon. C'est un tout petit peu too much. On enchaînera, si j'ai le temps, avant de me faire ban avec la Saint-Valentin d'Orelsan. Et je pense qu'on est pas mal, quoi. On est pas mal. Oula. Où suis-je? Ok. Alors open ça. Ah, t'aimes pas Orelsan? Ok. Bon, désolé, j'ai ses albums. Ah oui, le petit Yel aussi, c'est vrai. Bah, j'avais son album à l'époque. J'avais son album à l'époque. Je me rends compte que j'ai des goûts musicaux un peu douteux des fois, mais c'est pas grave, on aime bien. On aime bien, on aime bien. Assumons nos goûts musicaux douteux. Pas du tout depuis que j'ai entendu 20 fois dans une ondée. Ah, à Mac Gerbal ? C'est laquelle, celle de son nouvel album, là, où il parle de sa mère et tout. Radio locale, tout ça, ouais, ouais.
Ah, Yondersund. Je l'ai trop entendue, celle-là, je l'écoute plus. Par contre, il y en a des cool vraiment sur son album. Alors. Et je cache. Comment? Comment partir? Ah non, mais vous avez totalement le droit de ne pas aimer. Hein. Ah, la musique, il n'y a pas plus en termes de goût et couleur. Hein. C'est vraiment... Ça va pas, mon histoire, là. Ça n'a pas du tout déverrouillé. Oh. Ah, je peux open the door là-bas. Peut-être. Ok. Dérinard. Et coucou Bianco. Comment que ça va-t-il bien? Ah oui, je vous préviens direct, le mois prochain, je vais vous envoyer plein de photos, je vais faire un escape game en Bretagne. Voilà. Meilleure news. Je suis ravie. Qu'est-ce que c'est que cette merdouille? Alors attends, je reprends mon meilleur bloc-notes. Oh, ça va être le premier escape game de ma vie en plus, je suis sûre que je vais être nulle. Ça va être bien. Alors il doit y avoir des symboles associés, je suis... T'auras pas le temps de prendre des photos. Mais si, quand vous réfléchirez. C'est pas comme ça. Vous réfléchissez et... Quand on m'envoie un message, c'est pour me dire je te chie dessus. Alors, contextuellement, tu le mérites. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, je vais réfléchir avec vous. Ah non, attends, c'était pas prévu, ça. On peut rester toute notre vie là-dedans ou... Comment ça se base? Alors, attends. Et coucou, Odomaku. Comment allez-vous? Ah bah attends, mais il y a des... Ah, je peux plus. Je comprends pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On va voir est-ce que c'est lié à un chiffre. Ça va bien? T'as vu, t'as un nouveau collègue? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, mais ça va faire 7 ou 6. Bah oui, Mianco a un nouveau collègue. J'ai viré à quoi? Il était trop nul. T'as vu ça? Est-ce qu'il y avait... C'était quoi le signe sur la porte? Je disais à Mianco, hors mag, je vais prendre plein de photos pendant l'escape game. Ça va être bien. Bientôt, elle va me monner... Bah non. Non, non, parce que t'as dit que quand on te nommait modérateur,
ça se passait pas bien après. Donc non, non, je ferai pas ça. Bah... Attends, j'ai même pas fait l'énigme. Nasox ne stream plus. Voilà. Oh ! Comment ça, ils autorisent pas ? Mais vas-y, je peux pas être une vraie influenceuse, du coup. Ahem, ahem. Nyonko ne stream plus. Bah, pas du tout. Oh là ! Attends, pousse ! Quoi ? Vas-y, là, je prends le conseil. Image en miroir, d'accord. Ah oui, ok. Oh bah, je d'accord. Ok. On n'est pas en miroir. Pas non plus. Ah non, il est pas en miroir, le con. Très bien. Parfait. Incroyable. Va nous falloir un nom d'équipe pour l'escape, t'as une idée? Ah ouais? Oh, c'est drôle. Bah, je sais pas. je ne sais pas. Pourquoi il veut pas venir avec moi, lui? Ouais. Ah, faut peut-être que je fasse l'énigme d'avant. Avant. Ah si, c'est bon. J'ai trouvé un miroir. Miroir, mon petit miroir. Bah j'avoue, la Bretonie, c'est pas mal. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre en vrai. Ceux qui vont carry KO. Paparazzi ? Est-ce que je vais prendre plein de photos alors que j'ai pas le droit ? Karikao ? Allez. Ouais, mais dans ma tête, je vais prendre plein de photos, tu vois. T'inquiète, je vais faire plein d'images mentales, ça va être incroyable. Il y a une énigme que j'ai pas fait encore. On dirait un monde vu tous les matins, je bois mon verre de Karikao. Et je vais bien. J'ai pas vu le symbole de la lune. Ce jus multivitaminé me met en forme pour toute la journée. Ouais, mais venant de toi, je trouve ça bizarre, tu vois. Si tu racontais pas des trucs dégueulasses toute la journée, il y aurait zéro problème. Mais moi, je veux pas être un jus vitaminé qui te met en forme toute la journée. Je ne veux pas. Non, monsieur. Mais si, c'est toi! Tu salis tout! C'est toujours toi!
Qu'est-ce que je fais de mon Dix? Est-ce qu'il y en a un qui veut mon Dix ici? Taisez-vous, je vais te lire. Really? Ok. Et je vais en récupérer un deuxième quand j'aurai fait l'énigme là. Ouais! Ouais, franchement, c'est très chill en plus. C'est en mode livre 3D. Petit jeu indé, il est pas très long, il dure 1h30, 2h en fonction de si t'es nul ou pas. Donc moi, j'en aimerais probablement pour 2h. Mais non, vraiment très sympa. J'ai réellement pas le dernier. On va piffer le dernier. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aussi. Puis bon, bah. Ah, ça c'est dommage par contre. Comment ça ils sont pas à 7 et 7 eux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, les problèmes. Attends, j'ai bien compté 7 et 7. Ah oh, ouais, mais non, mais si là, c'est pas possible. Les quatre symboles se trouvent dans les alentours du sanctuaire. Bah ouais, mais ça j'ai vu. Merci Jacqueline. Il y en a qu'un que j'ai pas trouvé en fait. Ah mais non! C'est lui, 8 du coup. Il y en a un là. Lui je l'ai pas vu par contre. Ok, c'est pas ça. 3, 4, 5, 6, 7... C'est pas ça. Donc là. Je vais pour l'instant. On regarde s'il n'y en a pas un qui se cache quelque part. Pas de bike. Déjà, ça me perturbe parce que le truc de la lune, je ne sais pas où il est. Je l'ai vu genre nulle part. Ah, il y en a un là. Un, deux. Ok, il y en a deux dessous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et ils sont fourbes, hein. Ils mettent ça dans les pliages et tout. C'est les deux mêmes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on n'a rien d'autre. Ah! Il y a un carré en plus. Donc ça fait 8 aussi. Il y a une lune, donc 8, 3. 8, 3. C'est ça, un carré là, une lune là-haut. Ok. Vas-y, je vais tenter ça. 4, 8, 8, 3. Alors, 4, 8, 8, 3. Oh, non, faites pas ça.
Oh, it's a gassing. Bon. On commence. Donc là, comme ça, on en a un. Un ici. On n'a rien d'autre. Je me trompe pas. Hein. C'est ça. Là, il n'y en a pas. Qu'est-ce que t'as à râler encore? Ah, tu commandes tes courses? La feignasse. Donc là, on en a deux. De lune. Ah, il y a un tchouk-tchouk aussi. Ah, je l'avais pas vu, lui. De lune. Un comme ça, c'est ça. Hein. Yes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh bah je les aurais pris direct. J'adore le 15-0. Ah, il y a une lune aussi ici là. Vous l'avez vu sur le petit truc? Ah, les petits salopios. Il y a une lune ici. Les fourbes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Je l'avais pas vu celui qu'il y avait là. J'avais pas vu la lune qu'il y avait sous l'autre non plus. Et là, il y a un carré, une lune. Un carré. Une lune. Merde, c'est le contraire. 1, 2, 3. 4. Donc ça ferait 5. J'y retourne, again. Ah putain, j'avais pas vu l'autre là, entre les planches. On est à 9. Oh la vache, ils sont tellement bien cachés. Il y a une lune en haut. Il y a le carré là. Et là, pouf, entre les planches, il y a le petit triangle là. Abused. Just abused. Salut Amon, merci beaucoup en tout cas d'être resté. Des bisous. Bon miam et bon Netflix. Netflix est chill. Ça fait une éternité que j'ai pas fait un petit apéro whisky coca. Il y en a un là, du coup. Alors. Donc. 5. Ici. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on est à 9. Si on a 4. Arrêtez. Mais arrêtez, c'est pas possible. Ça me rend dingue. N'y arrive pas, ça me rend fou. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, je les ai vus. Une dinguerie cette histoire. Il y en a pas. Ça marche pas.
Mais je comprends pas. I don't understand. Vous en avez vu d'autres? Il n'y en a pas de caché. Oh la vache, il y a une lune sur le côté. La salopette. Et c'est toujours pas bon. Ah oui, il y en a que j'ai pas dû voir. Hein. Bah là déjà, il y en a une que j'avais pas vue. Il y a une cinquième lune ici. Elle est cachée dans le pli là. Sur le côté. Il n'y a pas un autre quelque part. Ah, c'est grave, hein. Ça fait 15 fois que je recommence. Là c'est grave, hein. Là j'en vois pas. Il recommençait de gain. Les petits carrés. Les petits carrés. Et la lune. Donc là, on est d'accord qu'on a un comme ça. Et tout. L'étoile à trois branches sur le devant du temple. Oui, je l'ai compté. Donc là, on a ça et on a une lune. Ça et une lune. Et si on n'en a pas? Enfin, j'en vois pas en tout cas. Je vais devenir chèvre. Alors. Ici, on a une lune. Deux lunes. Et un petit triangle. Qui est sur le papier peint là. Deux lunes, un triangle. Tu as deux étoiles, toi? Où ça? Des comme celle qu'il y a sur le mur? Celle en haut, ici, je la compte pas. Hein. Ouais, celle-ci, je la compte pas. Il y en a sept en tout. Avec la grande et les petites. À moins qu'il faille pas compter les petites. Alors attends, deux lunes, une étoile. Là, pour moi, il y en a sept. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Maintenant, on va ici. Alors, deux lunes. Ah non, c'est celle qu'on a comptée déjà, ça, je crois. De l'autre côté, là, il y a une lune. Ouais, c'est celle qu'on a comptée. Bah là, il y a juste une lune sur celle d'à côté. Ici, on a sept... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 comme ça. C'est tout. Donc je retourne de l'autre côté. Ça, on a vu. On vient là. Oh, Svet, il y a Katoys qui stream! Donc là, on a un carré, une lune et un petit tchouk-tchouk. Oh, ils ont fini leur stream bouffe. Et merci, Sik. Et coucou, le raid. Vous avez fini de faire à manger? Je suis passée vous voir en lurk pendant que j'étais au boulot. J'ai fini à 18h et j'ai enchaîné avec le stream direct, lui. Une bise au grand Giaco. Oh bah non, bah je t'en prie, c'est avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Alors attends, on a un carré, une lune. Et un truc énervé.
Un carré, une lune. Attends, c'est un carré ou... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait de bon du coup pour le repas? 2, 3, 4. Bon. On y retourne. Il y a un Spooky sauvage qui vous souhaite... Oh bah, gros bisous Spooky! Je l'avais pas vu. Tu as vu la lune sur la page de gauche? J'ai compté une lune. Salade composée. Une sorte de gratin avec quelques légumes et une tarte au citron. Oh. Oui, j'ai compté celle sur le mur comme ça, qui est penchée. J'ai compté les petits carrés qui sont en bas. Et j'ai compté, là, entre les barreaux, le petit tchouk-tchouk. Oh bah oui, on voit des photos. À chaque fois, c'est canon ce que tu fais en stream bouffe. Allez, c'est reparti. Oh mon dieu, Happy Halloween! Ah pardon, non c'était ça, Happy Halloween! Comment il va le Fluffy? Alors... Déjà comment... Il était où le cinquième que j'ai vu tout à l'heure? C'est pas possible. Gros bisous! Bonne bouffe à vous les boys! Je vais pleurer. J'avais vu un truc en trop. Non mais attends, j'ai vu des trucs en trop. Allô? Il n'y en avait pas assez, j'en ai inventé en fait. Mais pas du tout, c'est pas le pif. Ça fait 20 minutes qu'on compte les tuiles de la maison là. Arrêtez, le talent. Oh. It's the talento. Donc là, on retourne là. Et y'a que Pouette Orfeo. Comment que ça va-t-il bien? Ok. Pouf. Et je récupère mon pétale à... Open the door. Touk. Et brise océanique endormie depuis longtemps. Vois mon cœur qui s'enfle. Écoute, ça va très bien. On est sur un petit jeu de chill. C'est bien les petits jeux de chill aussi. Touk. Allez, va nous rester un dernier tableau. Oh non, c'est fini? Ah, je pensais qu'il restait cette branche-là. Oh bah c'est fini! Cerisier se fane, sombre étreinte de la mort, un nouveau départ. Oh le speedrun! Oh là là, la professionnelle! Le speedrun! Et bah David Wiz, sache que tu fais de très jolies musiques. J'aime beaucoup l'ambiance. Et merci pour les gigets. Calicante n'aura pas vu son jeu, mais c'est très cool. Vraiment pour le coup, donc pour ceux qui le souhaitent, Tengami. Il y en a pour à peu près 1h30 de jeu. On est sur des tableaux, comme je disais, point and click à énigmes. Et le jeu, vous pouvez le trouver pour vraiment une bouchée de ping sur Instant Gaming. Je pense pas qu'il doit être très très cher non plus sur Steam, je dis. J'ai même pas regardé. Niam niam. Niam niam game, c'est trop mignon. Ouais. Ouais ouais, vraiment c'était très sympa. Très très sympa. Ce que je vous disais, le lundi, au final, vu qu'on se mate en anime, on va se faire que des petits jeux. J'ai plein de petits jeux dans ma liste Steam que j'ai pas fait. Donc bah pour l'instant, tant qu'on n'a pas arrêté de regarder des mangas en mangeant tout ça, bah let's go faire des petits jeux pipou. Et je trouve ça très cool en vrai de faire ça.
ça fait découvrir des jeux, puis ça vide un petit peu ma ma bibliothèque Steam qui est pleine de jeux que j'ai depuis des années et que je n'ai jamais fait. Eh bien écoute, Calicante, si tu passes par là, merci pour la découverte, c'était vraiment cool. J'espère en tout cas que ça vous a plu.